Oui, deuxième journée de l'UEFA Europa League. Deuxième jour. Pardon, quoi? J'entends but du FC Porto à la sixième minute. C'est la sixième raison, j'achète la mille pépires, hein. Merde. Les Black Cats contre Leicester City. Je sais pas contre qui joue en plus, Porto. C'est le problème. Quoi? Pardon, je perds la balle. Ouais, parce qu'en championnat, c'est pas ça, mais en UEFA Europa League, pour l'instant, un match, une victoire. Oula, oula, ça sent pas bon, ça sent pas bon, je suis en train de sortir mon gardien. Or, je... Attention, on s'approche de la sixième minute. Parce que je crois qu'il s'est passé quelque chose. Oui, 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 il s'agit du premier but pour le FC Porto. Un but à zéro, donc. Un but à zéro pour le Porto. Il va pas loin de chercher ta mille Fekir. Incroyable. Je suis devant. Et je... Ouh, ça faisait longtemps, but de la tête. Ça faisait longtemps un but de la tête. Paf! But de Tossan. On laisse passer but de Tossan. La 9e minute. Je vire but de la tête. But de Porto à la 6e minute. Bon, ça m'oblige à acheter Nabil Fekir et je le prouve en fin de vidéo. Ah non, j'ai décidé de gagner le match. Pour l'instant, Nabil Fekir, pour l'instant, il est chez nous. À savoir où joue Nabil Fekir en ce moment. Si c'est comme la carrière de Galax là, qui m'a donné envie de faire un match de FIFA aujourd'hui, il serait au Real de Madrid. En vrai, d'où Nabil Fekir est au Real de Madrid. Non! Non! Ouh, merci Henry. On a viré Alisson. On est con parce qu'on aurait pu le garder. Elle revend très très cher, mais non, on a ça cassé les couilles. On a préféré le virer. Oh, bien. Henry, ça? Ah, ça, c'est aussi mon petit jeune. Oh putain! Attention! Otossan, lui, il peut tout faire, Otossan. Ouh, ça fait faire un bout de casquette. Ah, j'ai viré le corner entrant de samedi dernier avec je sais plus quelle équipe, le Rodez, je crois. Moi, c'était à FIFA 22 déjà, on sait pas, dans la dernière vidéo. La toute dernière, je crois, en plus. Bâton. Ah non, 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 je suis pas d'accord, les gars. Vous égalisez pas. Mourra pas. Emery, mon petit jeune. Tu fais passer Karim Benzema. Pac, il va faire passer Ito. Ito qui court, mais qui sauve pas la touche. Oui. Oui, absolument. Et je vais peut-être m'en prendre un second. Voilà, petite passe de Tossin, Karim Benzema, son compère et compatriote du Rosario. Tossin est dans la folie. Tossin est dans la folie. Pourquoi pas un deuxième but du Porto en seconde mi-temps. Va-t-on assister à la deuxième victoire du Rosario? Ce match est de la folie. Depuis longtemps, on n'avait pas marqué. T'enflamme pas, t'as pas gagné le match.
pas ce qui est chiant à la carrière Galax là avec le Real. C'est bien qu'ils fassent que les bonnes actions, les trucs comme ça, parce qu'un match, c'est un peu long à regarder. Oh, c'est bon, c'est comme but de Leicester. Après, on va regarder Monsieur Bean, troisième DVD. Faut que je l'ai fini pour mercredi. J'ai fini la fille, la fille au cliquot là. Maintenant, je vais essayer de finir. Morata m'aura pas, mais il m'a eu là, il m'a marqué un but. Oh putain, ils vont égaliser. Chito. Attention, hein, si je gagne, j'achète Nabil Fekir. Oh putain. Oh, égalisation de Benzema, j'allais dire. But de Tosson, passe de Karim Benzema, une passe décisive, un but pour Karim Benzema, un but pour Tosson de la tête et un but pour Ito qui normalement rajoute un à ses compteurs de buts du meilleur buteur du championnat. Il pourrait pas l'écrire combien il a marqué de buts dans la compétition. Moi je pensais à un truc ce matin mais j'arrive pas à me souvenir de ce que j'allais dire. Ouais, pour le football, là. Ah, tu dis, il y a des clubs, ils ont 10 milliards et 10 milliards comme le PSG, des clubs de merde comme. Pas des clubs de merde, des clubs de petit budget, style Guingamp, Auxerre et tout ça, là. Ah, pour pas qu'il y ait tout ça, faudrait carrément mettre un budget. Tout pareil, à tous les clubs. Oh, j'ai cru qu'il y avait à tous les clubs le même budget, par exemple, je sais pas, 3 milliards d'euros. Non, je déconne, hein, je dis si beau pif. Attends un peu. Je sais pas, moi. Un certain budget, par exemple. Ouais, 3 millions, par exemple, pour en rester là. Et à toutes les équipes, quoi. Au moins, comme ça. Il n'y aurait pas de ouais, ils ont une meilleure équipe parce qu'ils ont plus d'argent et tout. Ça serait sur le football que ça jouerait pas à coup de centaines de millions d'euros. On va faire un petit passage par le match du FC Porto parce que je crois qu'il s'est passé quelque chose. Oh non, me dis pas but du Porto. En faveur du FC Porto, on en est donc à 2 buts à 1 après 53 minutes de jeu. Non, mais je suis élu aujourd'hui, incroyable. J'ai but de Porto à la 6ème minute, but de Porto à la 6ème minute. J'ai but de Porto en seconde mi-temps, but du Porto en deuxième seconde, en deuxième seconde de mi-temps. Ah, moi, si ça continue, hein. Moi, je dis plus rien. Et là, je veux dire. 2-1. 3-2 pour le Leicester, il rattrape le Rosario. C'est le cas pour l'instant. Non. Oh, c'était pas loin. Oh putain. Oh ça sent bon là. Ah oh, dommage, il a contré la passe qui aurait permis à Ito de marquer son deuxième but du match. Non. Putain, je l'avais pas dit. Mais arrête de dire quelque chose là, dit que tu gagnes Win 2. Il va où lui? Au milieu de terrain? Non, faut pas, pas qu'ils égalisent à 3-3. Ça serait ça, ça serait 3-3 comme le troisième DVD de Monsieur Bean que je vais regarder. Tais-toi. Dis plus rien. Oh! Je prédis la victoire 3-2! Je sais pas pourquoi je le sens pas ce match, je le sens pas cette fin de match. Les Pascal Brunner. Peut-être l'occasion de passer une contre-attaque. Pourquoi j'ai fait ça? Légèrement.
Bien joué, il avait vu le coup, la Sergio Ramos. Mais non, mais prenez-la! Mais prenez-la! Non! Non! Ah, oui, ben, oh, c'était ça, Les 6 dernières minutes du temps, il y a encore. Ah, dommage. Bonne lecture du jeu sur cette interception. Oh, ça stresse là, ça commence à se... Ah, j'allais sortir mon gardien, je sais pas pourquoi. Il a mis 30 bien défendre. Merci, Valérie. Il y a un joueur qui s'impose sur ce centre. Alors qu'il n'aura plus de facilité de temps additionnel. Là, je suis en train de... Yes! J'achète Nabil Fekir. Je vais le prouver en fin de vidéo. J'achète Nabil Fekir. Oh, ce match de folie. L'interview d'un même match, il va être chaud. Il va être bon. Alors, élu, vous avez prédit 2 buts du Porto que vous allez gagner et vous allez acheter Nabil Fekir. Vas-y, prouve-le après. Ta réponse a été déterminante. Continuez à sauter dans la semaine à venir. Je soutiens, bien sûr. Manque de confiance, mais pour un joueur fantastique, c'est totalement derrière lui dans les moments difficiles. Ben oui! Pourquoi je l'ai acheté? On lui fait confiance. Pour tout un temps, vous avez bien tous les sauveteurs de tout regarder plus légèrement. Un but est un but, hein. Forcément. Hein. On s'en fout de gagner 1-0 ou 2-0, tant qu'on gagne. L'adversaire, je ne sais ça. Quel est votre repli pour venir? Ouais, vous avez pas assisté au bon match, alors. Hein. Vous avez été mis en danger aujourd'hui. Bon, on a été mis un peu en danger. Quand même, ils en ont mis deux. Non, mais aujourd'hui, déjà, pour soumettre la liste, merci de la VTNC de... soumettre votre objectif. Je regarde même pas, moi. Je le mets comme ça direct. Ah oui. Bon, on l'avait dit. Bureau. Transfert. Cherchez joueur. Nabil Fekir. On l'a dit, on va le faire. Hein. Nabil. Fekir, en plus, il est milieu offensif. Real Betis. Ouais, je vais vous le prouver tout de suite, j'achète. Approchez pour achat. Vous êtes en sphère, il veut 45 millions. Alors, on va être gentil, on va lui donner 50 millions, on s'en fout de l'argent de toute façon, ça me bat les couilles. Allez, soumettre offre. Soumettre offre. J'accepte, il veut un peu plus, j'accepte. Négocier. Oh, je suis au pif, hein, budgétant l'argent, je suis pas à 1 milliard d'euros près, hein. Important. Soit après il dit ce qu'il veut de toute façon. Salaire. Il avait 43 000 là-haut, on va lui mettre 50 000. Ouais, après, qu'est-ce que c'est? Non, 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 non. Attends. 60 000. Prime à la signature. 20 000, oh les petits gâteaux, oh, les petits gâteaux, notre faim, les petits gâteaux, notre faim, les petits gâteaux. Voilà, donc il nous rejoindra dans les moments voulus. Nous aurons faire le second match contre Bâle. Les cinquièmes du championnat. Allez, je fais un match de championnat dans la même vidéo, allez. Hop, c'est parti, dans la même vidéo, on change les maillots. On va jouer en vert, en blanc. Ça va plus vite pour changer le maillot, disons que blanc. C'est parti pour cette... je sais même plus. Combien de journées de championnat, là? Un sacré paquet. Il est en pleine forme. Il marque but sur but en ce moment. Il aura sûrement envie de remettre ça. Et coup d'envoi dans quelques instants.
Il est tout meilleur buteur du championnat. Ce match de foot. Non. Et tu con, moi. C'est Karim Atou, bien sûr, au micro. Ce sera un match de la Crédit Suisse Super League. Crédit Suisse. Ah, mais on est en Suisse. Pourquoi j'ai toujours Brésil, moi? On est en Suisse. Il a bien eu ce centre, le gardien. Ouais, bien muselé par le défenseur. Je fais peut-être une longue vidéo, mais ce sera plus autant de plein de vidéos de match. Ce sera une grosse vidéo par semaine. Et le but. Ouh, je l'ai vu dedans, moi. Bien joué, garçon. Oh, les... La puissance. Je sais pas si vous l'avez vu, le stade. Le stade est magnifique. C'est plus solide défensivement. C'est la moins bonne défense pour te revoir. Débute, puisqu'on est encore à la plus mauvaise défense. Attends, il dit but. Ah, dommage, j'ai trop attendu. En fait, il fallait que je tire avant. C'est une catastrophe, mon Ramos. C'est une catastrophe, mon Ramos. Deuxième match. Et après, bien sûr, nous allons manger. Et regardez, la fin de Objectif Top Chef, je sais pas quoi, là, je sais jamais le titre de cette émission. Ah, Ito Brunner a fait passe décisive à Karim Benzema. Je kiffe ce joueur en ce moment. C'est pour ça que je l'ai acheté. Hein. Du numéro 16 à la 16e minute. Un match de coupe plus un match de championnat. On prédit l'élu. Titre de la vidéo, je suis l'élu. Je suis l'élu. Ah dommage, j'ai trop voulu en faire. Voilà qu'on pense à acheter le nouveau joueur et non, regardez les objectifs de saison et acheter un buteur, je crois qu'il nous manque des buteurs. Ben, j'aurais envie d'acheter Messi parce que j'aime bien ce joueur. Mais je l'achète pas parce que si un jour je rencontre le PSG, j'aimerais qu'il y ait Messi dans le PSG. Cherche une solution. Oh, c'est temps d'intervenir là. Attention à l'éventuelle contre-attaque. La contre-attaque qui se poursuit. Personne pour l'arrêter, et attention. Ah dommage, j'aurais pu refaire passe à Karim Benzema, mais vu que je voulais essayer de tirer son meilleur buteur Ito. Par contre, si tu fais tirer les corners à Ito, il peut pas marquer. Oh putain. Putain. C'est mon homme, c'est mon dada, c'est mon Benjamin à moi. N'importe quoi, nique en lui. Ah dommage, j'ai essayé d'y aller tout seul, il y a Karim Benzema au centre. Tout à l'heure j'ai laissé une chance à Karim Benzema d'aller marquer son but. Oh putain. Attention parce que la contre-attaque se poursuit. Ça sent pas bon là. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon de jambon là. Quoi, pardon? Qu'est-ce qu'il fait, mon gardien? Il s'enflamme? Ah, quand même. Mais il est con, lui. Il est vraiment à être dangereux sur le but adverse. C'est bien dans l'espace. Oh, bonnet! Faut frappe, elle était cadrée, à mon avis, mais la tentative a été déviée. Où il va tout ça? Qu'est-ce que je veux dire? Où il va qu'est-ce? Ah, qu'est-ce qu'il faut arriver au bon moment? On va même pas traverser tout le terrain. Partir en contre, attention.
Nabil, Nabil Fekir, je l'ai acheté juste parce que je l'avais dit, hein, si je devinais. Je l'ai acheté, donc j'ai deviné, je l'ai acheté, j'ai acheté Nabil Fekir. Allez, on va faire un peu des remplacements. Pour une fois, pour changer, on va mettre Iglesias dans les cages. Allez, Song, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué en milieu gauche. Allez, on va faire entrer Cardozo à la place de Benzema. Allez, c'est parti, on a fait 2-3 remplacements pour la première mi-temps. Permet de faire tourner l'effectif et de faire reposer un peu des joueurs fatigués. Qui jouent souvent, quoi. Oh putain! J'aurais pu tirer avec Cardozo, je me suis dit rentre, il marque, mais là il offre son but à son coéquipier Ito, meilleur buteur du championnat, avec une réalisation de plus. Attends, je vais mettre mon téléphone comme ça là. Voilà. Et moi, je me rappellerai peut-être qu'à la fin, je vais regarder les classements buteurs, meilleur buteur, meilleur carton rouge, la plus belle faute. Les classements du PSG et de Lyon et de Marseille. Les résultats un peu des coups pour en aller. Un débrief sera fait en fin de vidéo. Iglesias, j'aime bien parce qu'il porte le pantalon. Il va être à bout portant. Ah, c'est vrai que j'aurais pu marquer, mais j'ai voulu offrir le but à Ito. Quoi ? Est-ce que l'arbitre va sortir le jaune ? Là, sincèrement, si je peux, hein, j'essaie d'offrir un troisième but à Ito. On va plus jouer sur Ito que sur les autres, hein, pour l'instant. Même 2-0. On a limite toujours pas gagné encore. Hein. Pas déconner. Bon, une fois que le Rosario gagne 2 matchs d'affilée, on va... Bon. Oh, il a risqué le pénalty là par contre. Je me souviens une fois qu'on est allé bien pour ma voiture, on était allé faire le clé, un petit magasin de jeux vidéo vers Saint-Maurice et tout. On les voyait avec PC Chaussac. On était insouciants à cette époque, on a cru qu'on allait trouver les consoles comme ça dans un petit magasin. Ah, j'aurais pu tirer, mais je l'ai dit, j'offre, essaie de donner un troisième but à Ito. Ça a été trop lent et l'adversaire a mal perdu bêtement ça. Non, allez, on va y aller. On va y aller pour le dernier match. Là, je vais faire un débrief de ma saison. Enfin, des objectifs de saison et tout. Oh, force, ça tourne, hein, ça nous fait tourner la tête et on tombe. À la Polochi, la symétrie. Allez. Non, je crois qu'il y a un objectif de ne pas faire se prendre un but. Je crois qu'il y a, il y a un objectif où il y a un nombre de matchs, 20 matchs sans prendre de but, je crois. Il va faire rentrer sur la pelouse. Pourquoi pas un but d'Ito à la dernière minute ? Pourquoi pas un but d'Ito à la dernière minute ? Je pense pas. Je pense que le score final est sur le 2-0, moins qu'elle sorte là. Le
Ouais, c'est dur. Ça se voyait trop en jeu. Attends, je suis devant tout le monde, fais-moi passe. Monsieur, ça s'appelle un hors-jeu de société mentale. Et à la fin, là c'est la grosse vidéo de deux matchs, un match de coupe, un match de championnat et le débrief. Allez, ça me fera un de plus sur les matchs à faire sans se prendre de but si je me prends pas prendre de but là. Ils me vont faire stresser jusqu'à la fin. Dégagement, là, attention. On peut y aller. Le gardien, là, c'est facile. Allez, on dégage. Yes. Allez, un petit débrief de fin de match. Avec l'interview d'après-match. Et après, un gros débrief sur ma saison. Là, ça va gaffe, je vais recommencer le match. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Allez, vous prenez le temps. Et ouais, on a été les meilleurs. Ça veut dire que ça va quand même plaire. On a été plus déterminés. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ça a marqué, ça a marqué. À partir de votre équipe, on peut faire encore mieux. On aurait dû gagner, on a tourné. On peut faire encore mieux, les gars. Et maintenant le petit débrief. Ah, match pour la Roumanie. Pour la Norvège. Et c'est un match de quoi pour la Norvège en fait? Éliminatoire championnat européenne. Ah, c'est match de quoi? Les éliminatoires pour l'Euro. Et on est troisième. Là, j'hésite. Attendez, je vais remettre sur mon équipe. Rosario, voilà. Et il voulait quoi, lui? Ah, retour du joueur blessé, c'était qui? Souza? Ah oui, de Souza, ça fait longtemps. T'inquiète, on va bientôt se faire au jeu direct quand tu veux. Alors donc, nous avons dit qu'on allait faire les classements. Comme vous voyez pour la Norvège, on est bien parti. On fera peut-être le match de la Norvège. J'avais fait. Ah, Rosario, avant-dernier quand même. 10 points et le premier à 11 points. Ça va, pas trop de retard, mais beaucoup de matchs de retard. Ah, Trophée Suisse, on est encore là avec le Saint-Gall contre Rose. Ok. Ah, les Chamois avaient. On avait fini deuxième. On s'était fait éliminer contre Pau. Mais la finale, il a gagné contre les Chamois. À Manchester City pour la Super Coupe de l'UEFA. On peut rêver, mais on est peut-être en Ligue des Champions. Non, il y a PSG Lyon Marseille, ok. Donc en Europa League, on est premier. Avec une bonne avance par contre. Mais il y a toujours des risques à prendre. Europa Conference League, il y a qui là? On n'est pas là, mais il y a Monaco. Allez, Monaco. Match de Norvège, est-ce qu'on va faire une méga vidéo avec un match de la Norvège? Ok, c'est fait. Match de la Norvège. Salut à toutes et tous, merci d'être à nos côtés pour suivre ce match. Longtemps qu'on n'a pas fait un match avec une autre équipe que le Rosario, à part avec mon équipe de ce week-end qui se prend. Cette rencontre qualificative pour la Coupe d'Europe des Nations, la Norvège affronte l'Irlande du Nord. On va encore se régaler avec cette rencontre. Et de manière générale, on est plutôt gâtés avec ce qu'on voit depuis quelques jours. Et plutôt gâté. Charles. Charles. Bien. Je me rappelle. Attends, c'était aux Pays-Bas. Il y avait Schmeichel, Davids.
Avant, c'était sur le terrain qui se battait pour gagner, mais non, c'est à coup d'argent. Oh, la faute. Imaginez. Connor Donovan. Il ressemblait à Adland. J'ai pas réussi à faire la flèche. Bizarre. Ah non, c'est sur le gardien, ça. Pardon. Bah tiens, on parle d'Adland. Hein, il ressemblait à Adland, Donovan. Mais Adland, il est dans mon équipe, Adland. Est-ce que ça va nous péler, nous aider? Ah, parce qu'il y a de l'angle que tu gagnes, hein. C'est comme PG, hein. C'est pas. Tu veux tu réussir, on va tout gagner. C'est essayé de trouver la faille. Et il l'a éliminé, attention. Ah oui, très bonne intervention du gardien. Et après, bien sûr, je vais manger. Là, depuis le temps que tu dis tu vas manger, t'attends de crever de faim. Hein. Sorti de garde. Et lui aussi. Il va y aller. But du numéro 39, Adland. Moi je m'en fous, après je vais lire aussi mon livre France Latane, la portable de l'équipe. Quand j'étais plus jeune, peut-être le rang solide emprunté de confiance de respect. Ces deux éléments, une relation ne peut fonctionner pendant 20 ans. Il y a quelques temps, Sardin, je suis allé saluer Cerveau. Silvio Berlusconi dans la vie, et nous avons un peu blagué, surtout y compris l'amour. L'amour de gagner avec la Norvège. Erling, je voulais l'acheter au Rosario, mais j'ai pas acheté plein de joueurs déjà. Faudrait que je regarde mes objectifs de mon club pour cette saison. Je crois qu'il y a un truc, c'est gagner 300 millions de budget ou je sais pas quoi. Ça, par contre, ça va être du hasard. Eden Hazard. Allez, on achète Eden Hazard. Non. Sauf s'il a 10 buts du péché contre le Real de Madrid à la 53e minute. Mais bon, heureusement. Il faut qu'il centre là. Attention, par contre, le deuxième couteau. Il va poser une question, il va dégager ce ballon. Ah dommage, je sais pas qui j'ai fait passe là par contre. À l'homme louche. Je vais t'appeler David Delouche. Et où le ballon? Je vais essayer de faire la touche. Hop. Non, si là pendant trois quarts d'heure ils font pas faire une touche, c'est bon. Oui. Tout seul au milieu. Vous vous rappelez la dernière vidéo? Ça veut rien dire d'être en infériorité numérique. Hein. Il suffira d'un but. Il suffit d'une frappe, d'un but, d'une erreur, et voilà quoi. Et tu te perds le match ou faire un match nul. Bon, pour l'instant, on est qu'au deuxième match de. Mais pourquoi je tire là-bas, moi? Si on se prend un deuxième but, hein, totalement de ma faute. Hein. Mais non, mauvaise passe, très mauvaise passe, pas excellente intervention, c'est une mauvaise passe, j'ai fait passe à l'adversaire. Pardon, je n'ai pas compris là. Ah, ça sent le pas vu. Hein. Quoi? Ah oui. Deuxième mi-temps pour la Norvège. Le Pays-Bas qui est en train de gagner 1-0 contre je sais pas qui. Irlande du Nord, je joue.
Le coup d'envoi de la seconde période qui vient d'être donné. Et le premier, c'est la Roumanie. C'est cool d'être en Norvège parce que ça fait de nouvelles équipes, que la Norvège, c'est pas souvent qu'on la prend et tout. Pour virer en tête ou me virer tout court, virer du Rosario, virer de la Norvège. Oh le but! Oh le ciseau! Oh pas le ciseau, ma mère en a retrouvé un, elle est en train de le nettoyer. De Derling. Adland! Oh putain, c'est 1h30, il va falloir que je mange. Le ciseau à bout portant, on a fait une cirrhose. Je suis content de jouer un peu avec la Norvège quand même. En plus, trois matchs, un match de championnat, non, un match de coupe, d'Europa League, un match de championnat. Et un match des éliminatoires de la Coupe d'Euro. Ouais, je dis la Coupe d'Euro parce que... Oh putain. Ça sent l'égalisation. Non, c'est bon, elle s'en prend nous normalement. Ouais, les éliminatoires de l'Euro. Le premier match que je l'ai fait, je pensais que c'était un match amical. C'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Mais c'est toujours le chemin du but. Allez, pourquoi pas? Mais tire pas sur le gardien! Mais con, moi j'ai tiré sur le gardien. Merde, j'ai loupé la passe, carrément. Où il va le gardien? Reste du temps. Il y a un changement dans cette équipe. Alexander Sorlot. Pourquoi pas son troisième but? Troisième but d'Irlande. D'Irlande. Un triplé. Ah, tu imagines ça? T'es pas du tout seul piqué. Il y a le piqué qui lui rentre dans les fesses. C'est bon de rire, sérieux. Trois buts de Adland, 69e, dédicace à l'Olympique Lyonnais, lol. Ah oui, on a oublié de regarder les buteurs en fin de saison là. Et mes objectifs de carrière. Ben, on regardera ça après. Les meilleurs buteurs et tout ça là. Ah dommage, j'ai trop voulu en faire. Ah oui, Adlante, t'as trop voulu en faire. Merde. Il y avait un peu personne là-bas, garçon. Va-t-on... Ah non, on n'a pas d'objectif, je pense, de truc. C'est peut-être gagner la Coupe du Monde, ou l'Euro. Pas se prendre deux buts pendant 5 trois matchs d'affilée. Centre peut-être, allez. Attention, ce ballon récupéré là, très haut. But. Attention, la frappe. Oui. Génial, génial. Non, surtout arrêt, arrêt cocu, ouais. Enfin, avec Adlante, j'essaie d'y aller tout seul. Son quadruplette, un quadruplette, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais 4 buts dans un match. Je vire 4 buts dans un match. Il devient sûrement le meilleur buteur de l'élimination Coupe d'Europe. Il va avoir très confortable à l'approche de cette fin de match. Il est là pour récupérer ce ballon.
C'est bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. Il reste un peu de temps, pourquoi pas, pour leur coller un cinquième but. Oh putain. Il nous a fait une avec il 5-17. On va pesquer ce ballon, non ? Un peu de coaching pour l'entraîneur. Pourquoi j'ai fait ça ? Allez, je leur laisse l'occasion. L'occasion de tenter. Je vais laisser de quoi me marquer un but. Il met la présente 4-2. On a vraiment droit à du spectacle. Voilà la fin de la rencontre. Et ça se termine. Bye. Adland, homme du match. Normal, après 4 buts, tu veux faire quoi ? Adland, l'homme du match. Ah, c'est cool qu'il n'y a pas d'interview d'après-match pour la République Tchèque Pays-Bas. Et on se retrouve combien au classement ? Ah, on est dans les 3 premiers. Ah, ça fait Roumanie. On est premier, on a fait, perdu une match. Deux, ok, bon, ça reste encore faisable pour se qualifier. Je sais pas si c'est le premier ou tout. Et on voulait voir les meilleurs buteurs, les classements et tout ça là. Meilleur buteur de l'éliminatoire à Saglande, 5 buts. Contre son camp, meilleur buteur, c'est Ito avec 7 buts quand même. Trophée suisse, meilleur buteur de trophée suisse. Pas de stade, ok. Sissoko de Chamois. Coupe FA. Non, non, on veut que du championnat. Comment on fait pour revenir au championnat, monsieur ? Voilà. Passe décisive, c'est Carten. Nous, on est troisième avec Benzema. On n'y est pas. Carton jaune, on n'y est pas. Ah, il y a eu carton jaune, ok. Donc, on va se quitter là. Attendez, on va quand même regarder contre qui on tombe au prochain match. Je vais vous montrer les objectifs de mon équipe pour cette saison. On va continuer le continuer quand même. Ito, meilleur buteur. Et on va tomber contre Sion pour le prochain match. Norvège, Costé fait le plaisir à les supporters. Ah, Ito, meilleur joueur du mois de septembre. Là, je vous fais une truc débrief. Alors, on doit faire quoi ? Notre conférence. Ça m'a amené un match de 300 000. Tenir moins 20 matchs. Un but marqué. Obtenir 20 matchs avec au moins un but marqué. On en a fait 9. Position actuelle, finir milieu de tableau. On est 9e. Ça, je sais pas. Que j'ai deux joueurs, mais les joueurs, c'est 0 tout le temps. On verra à la fin de saison. Obtenir 20 matchs avec. Ça vient de le dire. Et crédit libre, finir au milieu, et trophée suisse, atteindre les quarts de finale. Donc, trophée suisse, on a vraiment le droit. Le championnat de on a été éliminé. On atteint les quarts de finale. On est dans les groupes pour l'instant. D'accord. Donc, nous allons nous retrouver pour le prochain match. Pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est quand même serré. On n'est pas loin d'être en milieu de classement, quoi. Mais on va s'arrêter là, parce que j'aimerais bien quand même un peu manger. Et on va pas faire une vidéo d'une heure et demie non plus. Hein? Vous comprenez ? Oui, il va falloir 100 ans pour qu'elle arrive celle-là. Allez, si ça marque plus que 8 heures, je laisse.